ne suis pas pharmacien. Je ne suis pas architecte. Je suis Quentin Carnaille, artiste. Là, on arrive sur la phase finale de montre-sculpture. Toute la matière première qu'on va utiliser, sont des pièces qu'on peut voir ici, qui sont des pièces qui ont environ un siècle en fait. Donc c'est vraiment de la matière authentique qui a toute une vie. Donc on va avoir les fameuses aiguilles bleuies qu'on retrouvait dans les montres goussées, qui donnent des tonalités de couleur à l'intérieur des sculptures. On va avoir les rubis, la pierre précieuse qu'on retrouve systématiquement dans chaque mouvement de montre. Et donc on va vraiment avoir un jeu ici entre des pièces qui ont plus d'un siècle et un boîtier qui est contemporain. Et en fait l'objectif c'est de travailler avec un contraste fort. En art c'est la première leçon qu'on a, c'est le noir n'existe pas sans le blanc et le blanc n'existe pas sans le noir. Et ensuite je referme le boîtier et la sculpture est terminée. Il n'y a plus qu'à mettre un bracelet en plus et bien évidemment le signer après devant le client qui en fait l'acquisition. C'est un livre en fait qui référence tous les calibres de mouvements en fonction de là où ils ont été fabriqués et de l'année dans laquelle ils ont été fabriqués. Et il s'avère que notamment les boutons de manchette sont constitués d'un mécanisme de monde qui est créé en 1938 et qui est référencé dans ce bouquin. Alors c'est rigolo parce que je parle souvent aux gens, je leur dis oh, c'est des pièces qui ont un siècle et puis les gens ne réagissent pas beaucoup. Et alors quand je leur montre le mouvement sur un bouquin et je leur montre bah, c'est de 1938, ils font « Ah oui, quand même, 1938 !» Donc ça me permet effectivement de pouvoir prouver en quelque sorte la vérité de ce que je fais. Et donc ça, c'est une manière de créer un historique. Et puis même pour moi, ça m'aide, parce que je le savais, je pouvais pas le savoir tout seul, que c'était un mouvement qui était créé en 1938. Donc ça me permet aussi, moi, de mieux connaître l'horlogerie et de mieux communiquer sur le passé des pièces que je peux vendre. Bah donc en fait justement les boutons de manchette c'est vraiment l'origine du projet. Donc en fait il y a 3 ans quand j'étais en 5e année d'architecture j'ai offert cette paire de boutons de manchette à mon père qui à l'époque était à l'état de prototype et j'avais trouvé des petits mouvements de montre sur une braderie. Et l'idée était de faire un petit cadeau personnalisé, donc c'était juste une intention pour faire plaisir à la base. Mon père adore le cadeau, il se retrouve au Louvre des Antiquaires à Paris 2 mois plus tard, alors qu'il était en train d'acheter une horloge Breguet, le vendeur flash sur ses boutons de manchette. Et finalement, il se retrouve dans la vitrine des antiquaires du Louvre. Donc j'en avais fabriqué 4 paires spécialement pour les mettre en vitrine. Et ce sont très très bien vendus en fait. Et donc du coup, c'est un petit peu grâce à ça qu'aujourd'hui, j'ai développé toute une gamme de bijoux féminins, masculins, des tableaux, des sculptures et toute cette aventure artistique autour de l'horlogerie mécanique. La technique, c'est mon histoire. Je vois un objet, un projet. J'explique qu'on est dans une transition historique, dans le sens où on est à terme de 1000 ans d'horlogerie mécanique et un savoir-faire extraordinaire hein, qui passe de l'horloge en passant par la montre à gousset qui termine en montre microscopique de femme qui était à la mode dans les années 50. Mais en fait, on se rend compte que là, on bascule vers l'ère du numérique. Et inévitablement, à partir du moment où on a un outil qui est innovant, l'outil précédent devient obsolète en fait par définition. Donc quand on est passé du sablier à la première horloge mécanique, le sablier devient obsolète et c'est l'horloge mécanique qui est au goût du jour. Je soulève une autre question qui là pour le coup est plus artistique parce que qu'est-ce qu'on fait maintenant de ces choses-là? Donc on peut le voir du côté recyclage entre guillemets. Je pense pas que ce soit vraiment ça qui soit à mettre en valeur, mais c'est plutôt questionner en fait l'esthétique de la ruine.
Et finalement, on a tous déjà été visiter un château fort ou un temple aztèque ou une pyramide ou finalement un lieu qui n'a absolument plus aucune utilité. Et tous ces lieux-là n'ont jamais été aussi beaux qu'aujourd'hui parce que justement ils sont dans la plénitude et ils existent uniquement en termes historiques en fait. Et en gros voilà, moi je questionne l'esthétique de la ruine sur une montre qui tout d'un coup ne fonctionne plus et qui existe uniquement pour son côté esthétique. Et c'est Oscar Wilde qui disait que tout ce qui est utile est laid et que tout ce qui est inutile est beau, c'est sa définition de l'art, c'est apprendre ou à laisser. Moi je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant en tout cas dans cette manière de voir les choses. You're still the same.